Bonjour à tous, ici Libido Siendi et aujourd'hui on va parler tennis, enfin presque. Gaël Monfils, que tout le monde connaît, traverse une mauvaise passe en 2006. Et le premier qui me dit que ça fait 11 ans que ça dure, n'a pas tout à fait tort. Bref, en 2006, il est rapidement défait lors du tournoi de Las Vegas. Resté aux États-Unis afin de préparer le tournoi suivant, celui d'Indian Wells, il bénéficie d'une wild card afin de participer au championnat du monde de paddle tennis. Le paddle tennis, c'est tout comme le tennis, à part qu'il n'y a qu'un seul couloir, que les balles sont dépressurisées et qu'on doit servir à la cuillère obligatoirement. Mais sinon, c'est tout pareil. Et devinez quoi, Monfils bat Friedman en finale, considéré comme le Federer du paddle tennis. Aussi improbable que ça puisse paraître, Gaël Monfils est donc champion du monde de paddle tennis, une discipline qu'il ne connaissait quasiment pas avant d'aller au championnat du monde. Bon, par contre pour le tennis... Sur ce, je vous dis à demain pour un prochain épisode.